Ah, voilà, je savais que ça allait tomber. Hey, hi, ça va? Coucou et bienvenue, laisse un commentaire et abonne-toi. Bon, écoute, je te montre mes courses, hein, tout simplement. Je me suis pris un petit déjeuner et je vais te montrer mes courses. Alors, j'ai pris des glaces, mais les glaces, elles sont déjà dans le bruit parce que je suis en terrasse, hein. Les glaces, elles sont malheureusement chez le... Je lui demande à chaque fois de me le garder, de me pâtissier, petit restaurant, petite brasserie, voilà. Bon, j'ai pris des cerises. Alors, des cerises, je les ai payées 2,91. Elles étaient à 6,49 le kilo. J'ai pris ceci pour ma fifille, 1,05€. Et vous savez que je fais attention, hein, il faut faire attention maintenant. Parce que quand on a un petit budget, ben, il faut faire attention. Voilà. Donc, il ne faut pas que je dépense tant par semaine. Parce que, ben voilà, c'est normal, il faut que je fasse avec. C'est pas évident. Hein. Donc, les courses tous les jours, et ben, vous les aurez pu. Hein. Vous aurez de temps en temps la belle vie ou au champ. Mais voilà, c'est normal. Hein. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Bon, bref. Alors. J'ai pris des Purina One au bœuf, ben 2,49€. Je me suis dit, tiens, franchement, elles sont pas chères. J'ai pris des tomates, alors 3,09€, mais il y en a 1 kg, alors elles sont pas chères. Parce que je l'ai payé 3€ les 500 grammes, alors elles sont très belles. C'est des tomates qui sont charnues, hein. Je vais y aller, des bonnes tomates. Tomates ananas, si vous ne connaissez pas. Alors. J'ai pris des crevettes, 2,50€, parce que je peux les manger comme ça, avec l'avocat, ou tout simplement, je peux les faire avec des pâtes. Voilà, ben, je vais faire, et puis des petits poivrons, comme j'ai des piquillos. Donc, 2,50€. J'ai trouvé, alors d'habitude, j'achète pas ça, hein, je paye 2€, mais là, 1,29€, pour faire de l'eau bleue pour les toilettes, il y en a deux. Là, vous voulez savoir comment faire des économies, faire attention quand vous achetez, et ben voilà. Là, vous êtes dedans en plein. Des petits sacs, parce que j'avais acheté un truc à Shein. Et en fait, les sacs, ils sont trop grands. Donc là, il y a les petites poignées. Et ça coûte 1,20€. Il y en a 20. Donc ça, c'est très bien. C'est des mini sacs verts, bien sûr. J'ai pas fait exprès. Des gourmets pour ma fille. Hein, 1,75€. J'en ai pris 3 boîtes. Alors, j'en donne, hein. Là d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit merci de m'avoir donné tout ça. Parce que Ivy aime que le thon, le bœuf et la dinde. Elle déteste le foie. Donc du coup, ben, tout le foie, ben, je le donne. Donc là, j'ai pris ça, de la citronnade Andros. Et j'ai pris un chausson aux pommes. Je vous montre. Et un pain au raisin. Le chausson aux pommes, ce sera pour dans. Le pain au raisin, je vais l'emmener. Et le chausson aux pommes, ce sera pour dans l'après-midi. J'ai pris des poissons, alors franchement c'est cher au champ, je ne vous le dis pas. 3,79€, des filets de limande. Ben, ça va me faire deux fois. En plus, je crois qu'on ne peut même pas congeler ce truc-là. Chez eux, on ne congèle pas. Hein. Alors attendez. Limande à consommer à cœur, conditionnée sous atmosphère. Si apparemment on peut le congeler. Voilà. Donc je vais en manger la moitié et puis vendredi prochain, j'en aurai l'autre moitié. Voyez, on fait comme ça, on fait. Ça, c'est vraiment des courses, faire attention, quoi. Jambon de Paris, 1,20€ les deux tranches. C'est pas cher, hein, 1,20€ les deux tranches. J'ai déjà mangé, il est très très bon. Franchement, j'ai pas aimé ça. Je posais ça là. Des petites gourmandises pour ma fille, 1,25€. C'est au fromage, elle aime bien. De la mayonnaise. 79 centimes, c'est la mayonnaise au champ parce qu'il n'y a plus de mayonnaise. Voilà. De la petite mâche, 75 centimes la petite mâche. Ma sauce tartare, je peux pas m'en passer, 1,45€. J'adore, avec le poisson, c'est divin. Ensuite, des carottes râpées, 79 centimes. Voilà, si vous voulez faire des économies. Des courses pas chères, et eh bien là vous êtes en plein dedans. Pareil, 1,75€, j'en ai pris 3 boîtes comme je vous ai dit tout à l'heure. Les glaces ça coûtait 3,99€ et les autres au champ 2,19€. Ben, j'ai pris celle à 2,19€. Hein.
Le pain, c'est du pain aux céréales, donc ça je vais le garder. Je ne mange pas beaucoup de pain, hein, je mange une tranche. 1,40€, voilà. Ensuite, alors, il y avait au clafoutis aux cerises, j'aurais pu le faire, hein, mais franchement, vu le prix des cerises, je préfère l'acheter. Ça coûte 2€. Il faut savoir que l'autre, il coûtait 1,89€, mais je n'aime pas la marque Auchan pour les clafoutis. Je préfère la marque La Laitière pour les clafoutis. 2,99€, ils sont délicieux, c'est des brugnons. J'en ai 1 kg, ben ça me fait la semaine. Hein. Ortolan, Marie, regarde. 2,29€. Ça va, Ortolan. Un Coca Light. Alors là, je vais essayer, parce que supprimer le Coca, j'y arrive. Mais je pense que j'ai une addiction, c'est un manque. Donc je me dis, je vais peut-être essayer le Light. Pendant longtemps, j'ai bu du Light, mais il n'est plus en vente. Je ne sais pas pourquoi, il n'est plus du tout en vente. Il faut que j'appelle Coca pour savoir pourquoi il n'est plus en vente. C'est pas normal. Et ils l'ont supprimé et pourquoi ils l'ont supprimé. C'est important de savoir, c'est ça que je voulais faire. Ensuite, alors, il va y avoir une... Nous interrompons votre programme pour une information capitale. Il va y avoir une pénurie de cornichons. Alors, foncez. Ça y est, les cornichons, ça va être comme l'huile, comme la moutarde. Ils nous trouvent tout et n'importe quoi maintenant. Eh bien, 1,05€. J'en ai pris 4 boîtes. Enfin, 4 beaucoup. De la pâte feuilletée, 1,05€. Pour tout simplement faire ma tarte aux prunes. 2 avocats. Excusez-moi. Ah non, mais il n'y a pas de soucis. C'est pour mes abonnés. J'aime bien leur montrer mes courses. Puis là, c'est des courses économiques. Alors, pour une fois... Vous êtes sur les réseaux. Ouais. D'accord, c'est bien. Bon courage. Ben oui, c'est rigolo. Alors, 2 avocats, je les ai payés 1,25€. Donc, ça valait le coup. Hein. Mes cornichons, comme je vous ai dit, j'en ai pris 1, 2, je ne sais pas combien j'en ai pris. J'ai pris un melon, 1,80€, je crois. Et j'ai pris ça parce que ça, vous avez vu comment je fais, ceux qui me connaissent. Ça, je le prépare. J'ai acheté une pastèque, mais elle est dégoûtante. Donc, ça, je préfère ça, c'est une valeur sûre, 2,49€. Et hop, je range tout. Hein. Voilà, ça, c'est des courses économiques. Pas cher. J'ai pris pratiquement les moins chers. Voilà, je vous l'ai dit, hein, que après, quand on chute, quand on est à la retraite, on chute énormément. Donc du coup, eh bien, il faut faire une séquence. Et du coup, eh bien, maintenant, chin, je vais prendre hop, au citron. Voilà. Et surtout, même si on doit faire attention, jamais se priver. Pourquoi se priver ? On ne va pas se priver. Qu'est-ce que ça nous coûte là ? Allez hop, un petit chausson pomme, un peu, j'ai abusé, hein, je prie deux. Et un petit jus de fruits. Et voilà. Et on est sur une terrasse, on est tranquillou. Non. Vous voyez mes abonnés, hein, mes petites grenouilles, moi je les appelle mes petites grenouilles là depuis peu. Regardez mes petites grenouilles là, je viens de rencontrer une personne charmante, un jeune qui est acteur. Hein. Apprenti acteur, bah oui, mais c'est bien de faire des petits rôles. Hein. C'est comme ça qu'on commence. Hein. Bah, bravo. Mais ça doit pas être évident, hein, de filmer, hein, de tourner, parce qu'il faut répéter je sais pas combien de fois la scène. Bon, en fait, on s'habitue. Ouais. Moi, j'ai eu... C'est un peu relou parce qu'il faut pas être trop fatigué. Parce que les journées, elles durent sur toute une journée. Ouais, moi, des fois, on fait des tafs. Moi, j'ai eu France 2 qui est venue chez moi parce que à l'époque, j'étais addict Action, magasin Action. Vous connaissez pas? Magasin Action. Oui, voilà, bah, j'étais addict Action, donc ils m'ont filmé chez moi, ils ont tout simplement voulu savoir pourquoi j'achetais bah, une journée de tournage pour 20 minutes d'émission. Je suis passée 20 minutes en tout avec des coupages, mais c'est un truc de fou. Hein. Eh bien, Leroy, ravi. Ravi, vous êtes ravi de vous connaître.
En tout cas, je souhaite que sincèrement, vous réussissiez dans la carrière que vous avez choisie. Moi, c'est juste pour rigoler, hein. C'est pour le fun, moi. Mais vous avez raison. Ah, mais franchement, ça fait du bien quand on leur parle. Là, je suis contente parce que, en fait, ce que je veux, en fait, quand je filme, c'est qu'ils partagent avec moi, comme si on était en immersion, comme s'ils étaient avec moi, en fait. Et je trouve ça super important. Moi, je suis à la retraite, là, depuis peu. Ben, maintenant, je fais des vidéos, ben, depuis longtemps. Mais j'aime bien. Ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci, merci. Mais bon, le parcours est encore loin. Mais vous êtes jeune encore, ouais, attendez. Leroy, hein? Leroy, c'est ça. Je vais regarder. Je vais regarder ça. Je range mon pain en raisin, mes petites grenouilles, parce que, ben, parce que c'est bon, hein, j'ai mangé mon chausson aux pommes. Ah bah. Et ben voilà, on fait des rencontres comme ça, on discute, il n'y a pas de l'animosité, c'est ça la vie. C'est pas que YouTube. Non mais c'est vrai, il faut leur dire. Hein. Il y en a qui voient que YouTube. Eh ben Leroy, merci, enchanté, je suis ravie. Et puis ben, j'essaierai de vous voir. Bon, mes petites grenouilles, je vais chercher mes glaces et je reviens. Dans le congélateur, j'espère qu'il a mis. Il n'a pas mis dans le frigo. Dans le congél, comme d'habitude. Oui, merci. Et voilà, mes glaces. Voilà la glace. Bon, ben, mes petits choux, cette fois-ci, si ça vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Et mettez des commentaires et je vous dis bye, ciao. Et puis on lui souhaite beaucoup de choses à Leroy parce qu'il veut aller loin mais il veut pas avoir de notoriété. C'est compliqué mais c'est comme ça. Allez, ciao, bye. Hey, oublie pas surtout, mets un petit pouce et abonne-toi.